nous vous invitons à ne pas manquer le 31 décembre, la nuit de la traversée. Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment, au nom de Jésus. Je voudrais tout simplement vous inviter à cette grande veillée de la traversée du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Dieu nous a fait grâce. Pendant toute l'année, il a veillé sur nous et c'est la possibilité que nous avons de pouvoir traverser cette année ensemble. Nous vous invitons à l'espace l'Oasis à Noisy-le-Sec à cette nuit du 31, la nuit où nous l'avons intitulée la nuit d'exode, la nuit de la traversée. Cette affaire te concerne. 2024, c'est une affaire qui te concerne parce que la Bible déclare « Élargis l'espace de ta tente, rallonge tes cordages, car tu t'étendras à gauche et à droite et ta postérité envahira les nations. » Shalom, la grande famille de la montagne de la prière, c'est la nuit d'exode, car cette affaire te concerne. Nous vous attendons le 31 décembre à la montagne de la prière. J'invite tous les montagnards partout où vous êtes à ne pas manquer. Ça sera une nuit d'impact, ça sera une nuit de gloire, une nuit bien-aimée dans le Seigneur où Dieu va marquer des grandes choses dans nos vies. Alors ne restez pas à la maison. Nous vous attendons à la montagne de la prière, car à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Dieu sera au rendez-vous cette nuit-là. Que le Seigneur vous bénisse et j'invite toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer, car Dieu sera au rendez-vous. Soyez bénis. Je suis vraiment convaincu que 2024, Dieu va élargir l'espace de ta tente. Quelqu'un a dit à Esdras, lève-toi, car cette affaire te concerne. Lève-toi et agis, car cette affaire te concerne. À la montagne de la prière, ça ne rate pas. Dieu va te visiter, Dieu va te guérir, Dieu va te délivrer. Et pour ce que nous allons traverser ensemble, 2024, il y a l'élargissement. 2024, il y a la grandeur, il y a la gloire. En tout cas, viens participer à cette grande veillée avec nous. Des puissants témoignages nous accompagnent et je suis convaincu que Dieu fera quelque chose d'extraordinaire. Ne manquez pas à cette grande veille d'exode dénommée « Cette affaire te concerne ». C'est quoi cette affaire? Élargis l'espace de ta tente, car 2024, les limites seront repoussées. Nous vous invitons à ne pas manquer le 31 décembre, la nuit de la traversée. À la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Avec Jésus, c'est toujours possible. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, au nom de Jésus. Avec Jésus, c'est toujours possible. C'est votre frère, Samuel Page. Bye.
Shalom, 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 shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, pleinement, richement, glorieusement, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Soyez encore une fois de plus les bienvenus sur votre chaîne Samuel Panzu TV pour passer encore un moment merveilleux, un moment extraordinaire, un moment fabuleux dans la présence de notre Dieu. Nous disons Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Il ne reste plus que 3 jours pour la fin de cette année 2023. Tape-moi 5 fois la fin, la fin, la fin, la fin, la fin, la fin d'une ère, bien-aimé, la fin, bien-aimé, d'une époque, la fin, si on peut le dire, d'un siècle, la fin, bien-aimé, dans un temps, bien-aimé, dans les noms de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, chaque année est un temps, bien-aimé, un temps, bien-aimé, où on passe, bien-aimé, différents temps, temps de gloire. Certains passent les temps de maladie, certains passent les temps de la richesse, certains passent les temps de la pauvreté, certains passent les temps dans la fécondité, certains passent les temps dans la stérilité. Il faut vraiment savoir ça, bien-aimé, que lorsque le temps il est bon pour toi, le temps il est agréable pour toi, malheureusement pour beaucoup de gens le temps n'est pas favorable, bien aimé. C'est pour cela que chaque matin, chaque soir, tu dois reconnaître la grandeur de ton Dieu. C'est ce qu'il dit dans sa parole: soyez reconnaissants et reconnaissez que je suis votre Dieu. Vous savez, la famille Job, malgré que à un moment donné les temps, si on peut vraiment le dire, le temps ne lui était pas favorable parce que Job était tombé malade. Donc Job, il était dans le temps de la maladie, malgré que c'était Dieu qui avait permis à Satan de toucher la vie de Job pour faire comprendre à Satan que non, que si Job m'aime, donc que si Job aimait Dieu, ce n'était pas pour ce que Dieu lui a donné, ce n'est pas pour l'argent, pour les biens, voilà, que Dieu lui avait donné, pour les beaux enfants, la belle femme, pas du tout. C'est parce qu'il aimait Dieu tel qu'il était et pour ce qu'il était. Et malgré que Job s'est retrouvé dans ce temps de maladie, dans ce temps de fardeau, bien-aimé, Job a continué de dire: je reconnais que mon Dieu, il est grand. Je reconnais la grandeur de mon Dieu. Je reconnais que tout lui est possible et que rien s'oppose à ses pensées. Je reconnais qu'il peut tout. Oui, bien-aimé, toi-même aussi, je t'ai dit ce matin, tu dois reconnaître que ton Dieu peut tout. Tu dois reconnaître que ton Dieu peut tout accomplir dans ta vie, qu'il peut tout faire, bien-aimé. Et c'est le fait que Job, chaque jour, a continué de dire, a continué de confesser que Dieu peut tout accomplir. Dieu lui a restitué tout ce qu'il avait perdu. Les temps, bien-aimé, est devenu favorable dans la vie de Job. Tape-moi 5 fois le temps, le temps, le temps, le temps, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare pour quelqu'un ce matin qu'en 2024, le temps te sera favorable. En 2024, le temps te sera agréable. En 2024, le temps, bien-aimé, te sera, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, favorable. T'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le temps sera disposé pour toi, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que tu vas connaître le temps de la gloire, le temps de la santé, le temps de l'élévation, le temps de la richesse, le temps, bien-aimé, de l'élévation, le temps de la fécondité, le temps du mariage, le temps de la mentalité, de l'intelligence supérieure, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Oui, bien-aimé, en 2024, le temps va changer. Ça ne serait pas le même temps qu'on a connu en 2023. Même si l'année 2023 a été une année de gloire, a été une année favorable, mais chaque année, chaque fois qu'on avance, on doit toujours demander que l'année d'après soit toujours meilleure que l'année d'avant. Donc, on ne veut pas que toutes les années soient pareilles. Donc non, on veut que
tout. C'est pour cela l'Éternel quand il dit aller de gloire en gloire, il est en train de dire que la gloire que tu as eue cette année, voilà la gloire de la bonté, de la richesse, mais l'année prochaine monte dans une autre, dans un autre niveau de la gloire. C'est ça, bien-aimé. Chaque année, nous devons monter de niveau en niveau. Nous devons aller de gloire en gloire. Donc, tu dois monter les escaliers. Donc, lorsque tu prends l'ascenseur, monte, ne descends pas, mais monte. Lorsque tu prends les escaliers, monte des étages, ne descends pas les étages. C'est ce que Dieu nous en train de faire comprendre, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. De gloire en gloire signifie continuer de monter, continuer de monter. Ne descendez pas dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons monter, bien-aimé, nous devons monter. Nous ne devons pas descendre dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tapez-moi 5 fois, monter, 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 monter dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, car en 2024, nous voulons monter. C'est pour cela que nous sommes en train de dire, repousser, bien-aimés, nos limites, ces limites, parce que nous voulons monter en 2024. Nous ne voulons plus rester au même niveau, même, bien-aimés, un sportif, bien-aimés, à chaque fois qu'il s'entraîne, ce n'est pas pour rester dans le même niveau, mais c'est pour augmenter son propre niveau, bien-aimés. Alors, bien-aimés, sois un sportif, que ta famille soit une famille de sportifs. Augmentez votre niveau, augmentez votre niveau dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois, niveau, 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 dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons monter, bien-aimés, en 2024, nous voulons monter en 2024, nous voulons changer, bien-aimés, les règles, bien-aimés, dans les noms de Jésus-Christ. Là où les règles étaient défavorables pour toi, bien-aimés, les règles seront favorables pour toi en 2024. Là où les règles, bien-aimés, n'étaient pas bien-aimé dans ton corps, donc n'était pas bien-aimé agréable pour toi, les règles, bien-aimé, seront agréables pour toi dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, les règles vont changer, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans l'histoire d'Esther et Aman, les règles ont changé, bien-aimé, les règles, bien-aimé, ont été en faveur d'Esther. La règle disait que la reine ne pouvait pas descendre tant que le roi ne l'avait pas appelé, bien-aimé, mais ces jours-là, bien-aimé, ces jours-là, la règle a été favorable, bien-aimé, pour Esther. Lorsque Esther s'est présentée devant le roi, malgré que le roi ne l'avait pas appelé, le roi, bien-aimé, Esther a été favorable aux yeux du roi, au point que le roi, bien-aimé, a tendu, bien-aimé, son sceptre d'or, bien-aimé, envers Esther, bien-aimé, et lui a demandé, qu'est-ce qu'il te faut? Oui, bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un ce matin que les règles seront favorables pour toi. Les règles du jeu vont changer. Là où, bien-aimé, les règles étaient favorables pour tes adversaires, étaient favorables, bien-aimé, pour tes ennemis, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. En 2024, les règles seront favorables pour toi et défavorables pour tes adversaires, dans les noms de Jésus. Bien-aimé, du moment, depuis, bien-aimé, du moment que cette règle a été favorable pour Esther, bien-aimé, le jeu a changé. Les règles du jeu ont changé, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Donc, du moment que, bien-aimé, le roi, bien-aimé, a trouvé, bien-aimé, le roi, donc, a trouvé, bien-aimé, voilà cette grâce en Esther, bien-aimé, au nom de Jésus, les plans d'Aman avaient déjà échoué d'avance. Je déclare ce matin que les plans de tes adversaires ont déjà échoué d'avance dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Alors, nous allons prier avant de commencer notre moment de gloire dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Nous te bénissons encore ce matin pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être là devant ta présence, devant ta majesté. Nul est comparable à toi, nul est égal à toi, Seigneur Papa. Oui, Seigneur Papa, merci parce qu'encore ce matin, tu nous as permis de nous mettre debout alors que beaucoup ne sont pas. Beaucoup à l'heure actuelle sont en train de se réveiller dans les lits des hôpitaux, mais pas nous.
nous ou un membre de notre famille. Et pour tout cela, nous te disons merci du profond du cœur. Merci parce que tu changes le temps, Seigneur Papa, en faveur de tes bien-aimés, en faveur de ton peuple. Que toute la gloire, tout l'honneur revienne à toi seul. T'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié notre Dieu. Amen. Partagez la famille, je ne l'ai pas dit depuis les débuts, mais partagez. Vous connaissez les systèmes des réseaux sociaux, vous connaissez les règles des réseaux sociaux. Partagez, likez, commentez, surtout partagez. Ici sur YouTube, on like une seule fois, mais on partage, on propage au maximum la parole de notre Dieu. Parce que bien aimé, c'est le travail de tout et chacun, de tout enfant de Dieu, de propager, de partager sa parole. Alors commence à propager, commence à partager la parole de ton Dieu, t'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien-aimé, encore ce matin, l'Éternel veut nous visiter. Encore ce matin, l'Éternel veut nous parler. Encore ce matin, l'Éternel veut nous localiser dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, comme nous avons déclaré, le temps nous sera favorable, le temps nous sera agréable, le temps nous sera disposé en 2024 dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de dire, bien-aimé, repousser ses limites. C'est éloigné, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Donc, écartez les limites, écartez ses propres limites, écartez tous les obstacles présents sur le chemin dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, nous avons pour but que mon chemin 2024 soit des chemins libres, non des chemins avec des nids de poules. Non, bien-aimé, nous voulons des chemins bien, bien-aimé, des chemins libre, des schémas bien-aimés de calme, des schémas de la tranquillité, de la plénitude, de la sainteté, de la sanctification dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas des schémas bien-aimés avec plat des nids de poules présents. Non, bien-aimés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, nous voulons des schémas qui sont déjà construits, qui sont tracés, bien-aimés, comme il se doit dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, ce matin, bien-aimés, nous allons bombarder tous nos adversaires dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous allons bombarder tous nos adversaires, bien-aimés, tous ceux qui s'élèvent. Bien-aimés, tu ne sais pas, mais chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, chaque nuit, il y a toujours un petit sorcier, il y a toujours une petite sorcière, il y a toujours un troupeau de malfaiteurs, bien-aimés, qui s'élèvent pour attaquer ta vie, qui s'élèvent pour attaquer ta maison, qui s'élèvent pour attaquer ta famille, qui s'élève pour attaquer ton foyer, bien-aimé. Tout cela pour que tu ne sois pas bien. Tout cela pour que ton chemin ne soit pas bien tracé. Tout cela pour que tu n'accèdes pas à ta destinée. Oui, bien-aimé, le but du diable, le but de ces alcoolites, bien-aimé, c'est que nous ne puissions pas rentrer dans nos destinées. C'est que nous ne puissions pas, bien-aimé, tracer, bien-aimé, nos destinées. C'est que nous ne puissions pas y accéder dans nos destinées, accomplir nos destinées. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu accompliras ta destinée, tu accéderas à ta destinée, tu entreras dans ta destinée dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, sépare-toi, bien-aimé, sépare-toi, comme on avait vu hier dans les lives des 18h, bien-aimé, on a vu que Abraham, pour qu'il puisse accéder, bien-aimé, totalement, complètement à ce que Dieu avait décidé pour lui, il a dû, bien-aimé, se séparer de Lot. Donc, il a compris qu'il devait se séparer totalement de la maison de son père, puisque Dieu avait dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu t'a dit de quitter quelque chose. Qu'est-ce qui, bien-aimé, est encore attaché à toi, qui empêche à ton Dieu d'accomplir des grandes choses dans ta vie? Qu'est-ce qui est encore attaché à toi, qui empêche, bien-aimé, peut-être ton patron au travail de te mettre sur un gros projet? Qu'est-ce qui, bien-aimé, est attaché à tes enfants, qui empêche peut-être au professeur
quelqu'un de vouloir aider ton enfant comme il se doit, bien-aimé. Tu dois te séparer de cette chose. Tu dois t'écarter de cette chose. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, bien-aimé, la femme de la perte de sang, elle a pris la décision qu'elle devait se séparer de cette maladie, qu'elle devait se séparer de cette situation. Elle a touché le bout des vêtements de Jésus par toutes ses forces, malgré qu'elle s'était déjà un peu affaiblie, bien-aimé, parce que vous savez que lorsque le sang commence à sortir, et surtout pendant 12 ans, bien-aimé, le corps commence à devenir de plus en plus faible. Mais malgré, bien-aimé, que peut-être il y avait cette faiblesse, elle s'est quand même levée. Elle a dit que non, je dois toucher le bout du vêtement de ce monsieur. Elle a touché le bout du vêtement de Jésus et elle a été guérie en même instant. La femme courbée pendant 18 ans, elle a dit que non, je dois faire encore des choses dans ma vie. Elle a décidé de se séparer de cette infirmité, malgré que les gens, bien-aimés, malgré que les juges s'étaient levés, bien-aimés, les juges, bien-aimés, de la synagogue s'étaient levés, bien-aimés, parce qu'il était contrarié, puisque Jésus l'avait guéri le jour du sabbat, bien-aimés, au nom de Jésus. Malgré tout, elle a reçu sa guérison. N'écoute pas, bien-aimés, les hypocrites, n'écoute pas les autres. Il y a des gens auprès de toi, bien-aimé, qui ne veulent pas que tu accèdes à de grandes choses. C'est avec ces gens que tu dois te séparer. C'est eux le blocage de ta vie, c'est eux les limites de ta vie, c'est eux les panneaux interdits, les panneaux stop de ta vie, c'est eux, bien-aimé. Lorsque tu veux faire de grandes choses, mais il y a quelqu'un qui te dit que non, moi je pense que tu vas pas y arriver, je pense que tu ne vas pas réussir, c'est mieux que tu laisses, ce n'est pas fait pour toi. Tu dois commencer à suspecter la personne, tu dois commencer à réfléchir, tu dois commencer à t'éloigner de cette personne. C'est vrai, parfois on a des amis, c'est vrai, bien-aimé, parfois il y a des gens qui disent moi, pour moi c'est pas encore le temps que tu te mets sur ce projet. C'est vrai, certains ils nous donnent des bons conseils dans le sens que peut-être ce n'est pas encore le temps, mais essaie peut-être l'année prochaine. Mais il y a des gens que tu comprends que non, ils ne veulent pas que je puisse accéder dans cette grande chose. Il ne veut pas que je puisse rentrer, que je puisse accomplir cette grande chose. Alors, bien-aimé, c'est eux les genres des gens que tu dois t'éloigner. Tu dois comprendre qui est cette personne dans mon entourage, qui est cette personne dans ma famille, qui est cette personne dans mon travail qui veut m'empêcher à tout prix de rentrer dans ma destinée, qui veut m'empêcher à tout prix de rentrer dans ma gloire, qui est ce collègue à l'école qui veut empêcher à mon enfant de rentrer dans sa destinée, de rentrer dans son intelligence supérieure. Oui, bien-aimé, dites aussi à vos enfants de faire très attention. À l'école, il y a beaucoup de faux amis, bien-aimé. À l'école, il y a beaucoup de faux amis. Ils s'approchent de toi, tout simplement, voilà, pour commencer à te dévier petit à petit de ton chemin. Non, bien-aimé, vous devez dire aussi à vos enfants, lorsque tu vas à l'école, ce n'est pas avec tout le monde que tu dois rentrer en contact. Il y a des gens, bien-aimés, avec qui on ne rentre pas en contact. Il y a des gens avec qui tu rentres en contact, ta vie, bien-aimée, est baby, ta vie, bien-aimée, est gâchée, ta vie est ruinée, ta vie, bien-aimée, n'est plus, bien-aimée, propre, bien-aimée. Donc, il y a des gens qui salissent la vie des autres. Non, bien-aimée, non. Il y a des gens avec qui on ne rentre pas en contact. Il y a des gens avec qui on ne dialogue pas, parce qu'il y a beaucoup de voleurs d'étoiles dans le monde d'aujourd'hui, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens, bien-aimé, qui sont là, bien-aimé, pardonnez-moi la famille, qui sont là pour voler, bien-aimé, les étoiles des autres. Regardez Balaam et Balak, bien-aimé, tout cela, tous ces hôtels, tout cela pour arrêter, tout cela pour stopper, tout cela pour maudire, bien-aimé, le peuple, bien-aimé, d'Israël, bien-aimé, tout cela pour essayer de voler l'étoile de ce peuple, alors que, bien-aimé, ce peuple, il ne faisait que marcher, il ne faisait que marcher tranquillement. Mais Balaam, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, Balak, bien-aimé, oh, bien-aimé, il a été, bien-aimé, il s'est senti, bien-aimé, traumatisé. Donc, il s'est senti, voilà, menacé par ce peuple, bien-aimé, il s'est senti menacé, qu'il a dit que non, je dois faire quelque chose, je ne peux pas laisser ce peuple partir comme ça, donc prendre position. Non, 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 bien-aimé, il y a des gens avec qui tu ne dois pas rentrer en contact. Tape-moi 5 fois contact, 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 contact.
dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Avant que nous puissions prier, bien-aimé, je tenais à exhorter, bien-aimé, un peu, bien-aimé, parce que nous, les enfants de Dieu, surtout, nous devons comprendre, bien-aimé, nous ne sommes pas, bien-aimé, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Oui, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons quelque chose de plus en nous, bien-aimé. Nous portons, bien-aimé, un bagage de plus en nous, bien-aimé, et nous devons être beaucoup plus attentifs, bien-aimés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Même au travail, ce n'est pas avec tout le monde que tu dois parler, ce n'est pas avec tout le monde que tu dois socialiser. Non, bien-aimés, même à l'école, même dehors, ce n'est pas avec tout le monde. Oui, dans la vie, il faut être sociable, mais pas non plus trop sociable, bien-aimés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Lorsque bien-aimé, les gens remarquent que tu es vraiment une personne sociable, trop sociable. Les gens vont te voir facilement manipulable. Donc, ils voient qu'ils peuvent tout se permettre avec toi. Non, bien-aimé, tu ne dois pas être toujours permissible, bien-aimé. Non, bien-aimé, pour certaines personnes, tu dois être un interdit, bien-aimé. Pour certaines personnes, tu dois être un interdit. Tape-moi 5 fois, interdit. Il y a des gens qui doivent comprendre que auprès de toi, ils ne peuvent pas s'approcher. Tes ennemis doivent comprendre que auprès de toi, ils ne peuvent pas s'approcher. Auprès de tes enfants, ils ne peuvent pas s'approcher. Auprès de ta femme, ils ne peuvent pas s'approcher. Auprès de ton mari, ils ne peuvent pas s'approcher. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, il y a des gens avec qui on ne rentre pas en contact. Ce matin, tes ennemis vont comprendre qu'ils ne doivent pas rentrer en contact avec toi. Sinon, bien-aimé, ils échoueront. Sinon, bien-aimé, ils ne vont pas sortir, bien-aimé. Même ils essayeront, bien-aimé, même s'ils essayeront de rentrer chez toi, bien-aimé, du moment déjà qu'ils vont essayer de prendre leur voiture, les moyens de transport pour venir, bien-aimé, ici chez toi, à la maison, bien-aimé, ils vont être consumés, ils vont être punis, ils vont être tourmentés, ils vont être persécutés. Bien-aimé, Jézabel a tué un innocent. Jézabel a tué Naboth. Tout cela parce que Naboth a refusé, bien-aimé, de donner son héritage au roi Akab. Et bien-aimé, Jézabel croyait que voilà, je suis la reine, je peux tout faire, tout m'est permis. Bien-aimé, le sang d'un innocent réclame, le sang d'Abel a réclamé, le sang d'Abel a crié. Vous connaissez l'histoire entre Abel et Caïn. Caïn a tué son frère Abel, un innocent aussi. Tout cela pourquoi? Parce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Et Caïn a décidé de tuer son frère. Et le sang d'Abel a parlé. Le sang d'Abel a crié. Caïn, bien-aimé, toute la descendance de Caïn a été maudite, bien-aimé. Vous connaissez l'histoire. Dieu a mis un signe, bien-aimé, sur Caïn pour faire comprendre que c'est un maudit. Oui, bien-aimé, Jézabel a tué Naboth. Elle croyait qu'elle allait s'en sortir. Mais Jézabel, bien-aimé, elle a vu les retombées. Tape-moi 5 fois. Retombées. Je déclare ce matin qu'en 2024, tes ennemis verront les retombées au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. En 2024, tes ennemis vont voir les retombées, bien-aimé, de tout le mal qu'ils ont voulu faire contre toi. Alors, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas dire à ton Dieu, Père éternel, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je confesse dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que tous mes ennemis de A à Z puissent voir les retombées dans leur vie, puissent voir les retombées, l'échec dans leur vie. Donc, tout le mal qu'ils ont voulu me faire contre moi, qu'ils ont voulu faire contre moi, qu'ils voient les retombées, tous les problèmes qu'ils ont voulu accaparer sur moi, qu'ils voient les retombées, tout esprit de maladie, de la mort qu'ils ont voulu envoyer contre ma famille, qu'ils voient les retombées dans le nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, dis à ton Dieu, Père éternel, je déclare et je confesse ce soir, ce matin, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, papa, que mes ennemis verront les retombées de tous les mal qu'ils m'ont fait, de tous les mal
mal qui ont causé à ma famille, qui ont causé à mon entourage. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, ils verront les retomber, ils verront les retomber, ils verront les retomber dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, ils verront les retomber, ils verront les retomber, ils verront les retomber, bien-aimés. Jézabel a vu les retomber, Jézabel a vu les retomber, Aman a vu les retomber, Goliath a vu les retomber, bien-aimés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis verront les retomber, tes ennemis verront les retomber. Ils ne vont pas, bien-aimés, dormir. Ils ne vont pas être en paix, bien-aimés. Ils verront les retomber. Ils verront, bien-aimés, les retomber, bien-aimés. Déclare-le, dit Père éternel, tout le malheur, tout esprit de stérilité, tout esprit d'impolitesse, de rébellion qu'ils ont voulu envoyer contre mes enfants, les retomber sur leurs propres enfants. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, les retombées tombent sur eux, les retombées tombent sur eux, bien-aimés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, les retombées, les retombées, les retombées. Tapez-les-moi 5 fois. Retombées, 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 retombées dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis verront la chute, tes ennemis verront l'échec. Sa parole dit, bien-aimé, la parole de notre Dieu le dit, de nos propres yeux, nous verrons la rétribution du méchant. De nos propres yeux, nous verrons l'échec de tous les ennemis de nos vies, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'élève contre toi, c'est lui qui s'élève contre ta maison, c'est lui qui s'élève contre ta famille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Les retombées, bien-aimés, va les localiser dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. La parole, bien-aimée, de Dieu dit, bien-aimée, il fera retomber la malédiction sur tous ceux qui t'auront haï, bien-aimé, et persécuté sans cause, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. C'est ça, bien-aimé. Donc, la malédiction va retomber sur tous ceux qui t'ont persécuté et haï sans cause. La malédiction est retombée sur Jézabel, bien-aimé, qui a persécuté, bien-aimé, qui a persécuté Naboth, bien-aimé, sans cause. Naboth n'a rien fait. Naboth a seulement protégé. Naboth a seulement défendu ce qui lui revenait comme droit. Oui, bien-aimé, ce n'est pas parce que c'est une grande, ce n'est pas, bien-aimé, parce que c'est une grande personne, bien-aimé, il a un statut plus que toi, que tu dois lui accéder ce qui est à toi. Non, bien-aimé, Naboth, bien-aimé, a tenu tête. Il a dit que même si c'est le roi, mais cette vignette m'appartient. Cette vignette est mon héritage et je ne peux pas l'accéder à personne. Je ne peux pas l'accéder à personne. Dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, tu dois protéger ce qui est à toi. Tu dois garder, préserver ce qui est à toi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, ce qui est à toi, bien-aimé. Et personne ne peut te le voler, bien-aimé. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Personne, bien-aimé, peut prendre, bien-aimé, ta santé. Personne, bien-aimé, peut prendre, bien-aimé, ta destinée. Personne, bien-aimé, peut prendre ton mariage. Personne, bien-aimé, peut prendre ton travail. Personne, bien-aimé, peut prendre tes enfants. Personne, bien-aimé, peut prendre l'intelligence de tes enfants. Personne, bien-aimé, peut prendre ton élévation. Personne, bien-aimé, peut prendre ta grandeur. Personne, bien-aimé, peut prendre, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, ta richesse, parce que cela est à toi, bien-aimé. Tous les voleurs de ta vie seront persécutés. C'est lui qui a essayé, c'est lui qui a volé quelque chose dans ta vie. Il sera persécuté, il sera persécuté dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jézabel a voulu voler, bien-aimé, la vigne, bien-aimé, de Naboth. Elle a été persécutée, bien-aimé, elle a été persécutée. Tes
tes ennemis seront persécutés dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Saoul, bien-aimé, a voulu à tout prix, bien-aimé, éviter que David puisse monter sur le trône, bien-aimé. Et David a été persécuté par le mauvais esprit envoyé de la part de l'Éternel des armées. Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, tu vas dire à ton Dieu, Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa, je déclare et je confesse que tous mes ennemis, tous les voleurs de ma vie, tous les voleurs de ma destinée, qu'ils soient persécutés, qu'ils soient persécutés, qu'ils soient persécutés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix et commence à prier ton Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Dis à ton Dieu, Père éternel, que mes ennemis soient persécutés, que tous les voleurs de ma vie soient persécutés, que tous les voleurs de ma famille soient persécutés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Tous les voleurs du travail soient persécutés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui-là, ou celle-là qui veut empêcher ma montée, qui veut empêcher mon élévation, ma grandeur, ma prospérité, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit persécuté. Bien-aimé, déclare-le, que tes ennemis soient persécutés, que tes ennemis soient persécutés. La parole de Dieu dit, point de paix pour les méchants, point de paix pour les méchants, point de paix pour les méchants. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, point de paix pour les méchants de ta vie, point de paix pour les méchants de ma vie, point de paix pour les méchants de la montagne de la prière, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, nos ennemis vont souffrir, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons tous prié. Amen. Tape-moi 5 fois, persécuté, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nos ennemis seront persécutés dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, personne ne va voler quoi que ce soit dans ta vie dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, malgré toutes les tentatives de Saoul, David est monté sur le trône. Bien-aimé, tu monteras sur le trône de ta gloire, tu monteras sur le trône de ta richesse, tu monteras sur le trône de ta santé, tu monteras sur le trône de ton élévation, tu monteras sur le trône de ta fécondité, tu monteras sur le trône de l'élévation, bien-aimé, de la prospérité, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tes enfants monteront sur le trône de l'obéissance, sur le trône de la politesse, sur le trône de l'intelligence, bien-aimé, de l'intelligence supérieure, des capacités intellectuelle supérieure, des compétences intellectuelles supérieures, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous allons encore, bien-aimé, prier notre Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons déclarer la malédiction contre tout ce qui s'élève, bien-aimé, contre nous dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui s'élève contre ta vie, tout ce qui s'élève, bien-aimé, contre ta destinée, tout ce qui s'élève, bien-aimé, contre, bien-aimé, ta famille, contre, bien-aimé, ton foyer, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que la malédiction descende dans leur vie, que la malédiction descende dans leur famille. La parole de Dieu, bien-aimé, dit dans Proverbe chapitre 3, bien-aimé, verset 33, Proverbe chapitre 3, verset 33, bien-aimé, la parole de Dieu dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Je répète, bien-aimé, Proverbe chapitre 3, verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison
du méchant. Donc oui, bien-aimé, la malédiction de Dieu est dans la maison du méchant. Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, bien-aimé, tu vas demander à ton Dieu, Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que ta malédiction descende à la maison de tous mes ennemis dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Tu vas demander à ton Dieu, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que sa malédiction puisse tomber, que sa malédiction puisse tomber dans la maison de tous tes adversaires, dans la maison de tous tes ennemis, même ceux que tu ne connais pas. Comme on connaît, bien-aimé, comme on sait, bien-aimé, il y a des ennemis inconnus, des ennemis qu'on connaît pas et des ennemis qu'on connais, bien-aimé. Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu. Tu vas dire à ton Dieu, Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les démons, que tous les ennemis de ma vie, que la malédiction, papa, que ta malédiction, Seigneur, les localise, que ta malédiction soit présente dans leur maison, dans leur demeure, dans leur lit, dans leur chambre, papa, dans leur salle de bain, dans leur travail, dans leur voiture, dans leur cuisine, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, que ta malédiction soit constante, papa, l'air ombre, papa, dans le nom de Jésus-Christ, élève ta voix et commence à prier ton Dieu, bien-aimé, élève ta voix et prie ton Dieu, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, je déclare et je confesse, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa, je te demande s'il te plaît, 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 papa, ta parole dit, papa, dans Proverbe, papa, chapitre 3, verset 33, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Père éternel, je te prie, je te prie, je te prie, je te prie, Seigneur, papa, que ta malédiction soit présente, que ta malédiction soit présente, papa, soit présente dans la maison, papa, de tous les méchants de ma vie, papa, sois présent, papa, dans la maison, papa, de tous mes ennemis, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Prie ton Dieu, bien-aimé, prie ton Dieu, demande-le, que la malédiction, que la malédiction de notre père, la malédiction de notre papa soit présente dans la vie de tous nos ennemis, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui ne s'échappe pas, qui ne s'échappe pas. Personne ne va s'échapper, aucun de nos ennemis va s'échapper de la malédiction de notre Dieu, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, papa, que la malédiction tombe, 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 tombe dans la maison, papa, de toutes les Jézabel, dans la maison de tous les Saoul, dans la maison de tous les Goliath, dans la maison de même les ennemis inconnus, les ennemis que je ne connais pas, papa, mais que ta malédiction les localise, puisque toi, Seigneur, tu les connais, papa, toi-même, tu sais, Seigneur, papa, qui parle derrière notre dos, papa, Père, localise-les. Localisez-les, localisez-les dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié notre Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, tape-moi 5 fois. La malédiction, la malédiction, la malédiction dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction va tomber, bien-aimé, dans la vie de tous tes ennemis. La malédiction va tomber, bien-aimé, dans la vie de tous les sorciers, dans la vie de tous les Judas, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, tous tes ennemis seront visités. Tous tes ennemis, avant la fin de cette année 2023, ils seront visités. Bien-aimés, ils seront visités par la malédiction de notre Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier notre Dieu. Nous allons encore prier notre Dieu parce que c'est celui qui écoute nos prières et qui les exauce dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, tu vas élever ta voix. Tu vas déclarer à ton Dieu dans les noms puissants
et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu dit, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, que les malheurs, bien-aimé, les malheurs, bien-aimé, châtient, bien-aimé, les méchants, bien-aimé, nous voulons, bien-aimé, que les malheurs puissent frapper tous les méchants de nos vies dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, pas Goliath, bien-aimé, avant que quelqu'un puisse descendre dans le champ de bataille, bien-aimé, pour le combattre, Goliath, pendant tout ce temps, il est en train de maudire, bien-aimé, de maudire l'armée d'Israël de toutes les manières, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, c'est dans le psaume chapitre 34, verset 22. La parole de Dieu dit, les malheurs tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Le malheur tue le méchant. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu. Oui, bien-aimé, Goliath a cherché, Goliath a trouvé son propre malheur. Lui qui se croyait invincible, il se croyait, bien-aimé, que personne aurait pu jamais, bien-aimé, le détruire, que personne n'aurait pu jamais le combattre. Voici que David est descendu, bien-aimé, dans le champ de bataille. Et son propre malheur, bien-aimé, qu'il est en train d'envoyer contre l'armée d'Israël, son propre malheur l'a tué. Tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, tu vas demander à ton Dieu que tous tes ennemis, bien-aimé, que les malheurs puissent les anéantir, que les malheurs puissent les écraser, que les malheurs puissent les piétiner, que les malheurs puissent les démolir. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, Christ de Nazareth, élève ta voix et commence à prier ton Dieu, commence à prier ton Dieu, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dis à ton Dieu Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les malheurs, papa, tous les malheurs puissent anéantir, démolir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les méchants de nos vies, tous les méchants de notre famille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, élève ta voix et prie ton Dieu. Élève ta voix et prie ton Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton Dieu, Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que les malheurs puissent anéantir tous les ennemis, tous les sorciers, toutes les sorcières, que les malheurs puissent anéantir, papa, dans les noms de Jésus-Christ, que les malheurs puisse démolir tous les Goliaths, que le malheur puisse écraser, piétiner la tête de tous les Doeg, de tous les quiches qui donnent des mauvais conseils, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, que le malheur puisse, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écraser la tête de tous les serpents, de tous les démons, de tous les scorpions, dans les noms puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tes ennemis soient anéantis, que tes ennemis soient écrasés, que tes ennemis soient, bien-aimés, piétinés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui nous accordes la paix, toi qui nous accordes la grâce, toi qui nous accordes l'élévation, la grandeur, la prospérité, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, que tous nos ennemis soient écrasés, à l'heure actuelle, là où ils sont, qu'ils soient écrasés dans leur travail, dans leur voiture, dans leur maison, au nom de Jésus-Christ, même s'ils sont en voyage, qu'ils soient écrasés dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Tape-moi 5 fois. Malheur, 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 dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le malheur, bien-aimé, va écraser la vie de tous nos ennemis dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Oui, Bérémie, toujours dans les psaumes 34, verset 22, où la parole de Dieu est en train de dire, le malheur tue le méchant. La parole de Dieu dit encore, et les ennemis du juste sont châtiés. Et les ennemis du juste sont châtiés. Donc, les ennemis du juste sont frappés. Les ennemis du juste sont punis. Oui, Bérémie, tu vas élever ta voix. Tu vas prier ton Dieu. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas demander à ton Dieu dans le nom de Jésus-Christ que tous tes ennemis, que tous tes ennemis soient frappés dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Dieu a frappé, bien-aimé, a frappé à plusieurs reprises l'Égypte, bien-aimé, car, bien-aimé, il ne voulait pas, bien-aimé, laisser le peuple d'Israël partir. Donc, Dieu a frappé à plusieurs reprises les Égyptiens et Pharaon, car il ne voulait pas laisser le peuple d'Israël sortir, bien-aimé, du pays. Alors tu vas élever ta voix. Qui est en train de te retenir? Qui est en train de te bloquer? Qui est en train, bien-aimé, de t'empêcher de pouvoir partir? Tu vas demander à ton Dieu qu'il soit frappé à plusieurs reprises, qu'il soit puni dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas demander à ton Dieu qu'il puisse frapper tous tes adversaires dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Châtier signifie corriger. Châtier signifie punir, bien-aimé. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, ça signifie frapper. Alors, bien-aimé, tu vas demander que tous tes ennemis soient punis, que tous tes ennemis soient frappés dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, qu'ils comprennent qu'ils doivent te quitter, qu'ils comprennent qu'ils doivent te laisser partir, qu'ils comprennent qu'ils ne doivent plus rester auprès de toi. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix et commence à prier ton Dieu bien-aimé. Dis à ton Dieu Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tous nos ennemis, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tous nos ennemis soient écrasés, soient piétinés, soient frappés, dans les noms puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui s'élèvent contre la montagne de la prière, Père éternel, frappez-les. Bien-aimé, commence à prier ton Dieu, commence à prier ton Dieu et déclare-le ce matin, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tes ennemis soient frappés, que les ennemis de ta maison soient frappés, les ennemis de ta famille soient frappés, les ennemis de ta maison soient frappés, les ennemis de ton travail soient frappés dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient chicotés dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel puisse les frapper, que l'Éternel puisse les saisir, que l'Éternel puisse les punir. Oui, bien-aimé, sa parole dit que de tes yeux tu verras la rétribution des méchants, que tu vois, bien-aimé, la correction que Dieu va donner à tes ennemis, que tu vois la punition que Dieu va donner à tes ennemis dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses voir, bien-aimé, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, la punition puissante, la punition que Dieu va donner à tes ennemis dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il mérite, bien-aimé, d'être puni. Il mérite, bien-aimé, de payer. Goliath a été puni, bien-aimé. Il a été lui-même, bien-aimé, abattu, anéanti. Aman a été puni, bien-aimé. Aman a été corrigé. On ne touche pas le roi de l'Éternel, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aman a été pendu sur son propre bois. Oui, bien-aimé, tes ennemis, bien-aimé, eux-mêmes, ils vont tomber dans leur propre fosse. Eux-mêmes vont tomber dans leur propre piège. Eux-mêmes vont rester bloqués dans cette pièce de la maladie, dans cette pièce nommée la stérilité, dans cette pièce nommée la pauvreté. Eux-mêmes vont tomber dessus. Eux-mêmes vont tomber dedans dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le réparateur de nos vies, toi qui es le réparateur de nos familles, dans les noms puissants et glorieux de
Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié notre Dieu. Amen. Oui, bien-aimés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tes ennemis soient châtiés, que tes ennemis soient piétinés, que tes ennemis soient frappés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu dit dans les psaumes, bien-aimé, 107, bien-aimé, verset 3, bien-aimé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous allons les lire, bien-aimé, pour avoir une meilleure compréhension. Dans les psaumes 107, bien-aimé, verset bien-aimé, 13 plutôt, pardonnez-moi, voilà, c'est pour ça, c'est toujours important, au nom de Jésus-Christ, d'aller vérifier dans la parole de Dieu. Bien-aimé, dans psaume chapitre 107, verset 13, la parole de Dieu dit ceci: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu. Oui, bien-aimé, combien on se trouve encore dans des sortes d'angoisse, combien on se trouve encore dans des sortes de terreurs, bien-aimé, dans des sortes de prisons, bien-aimé, là où nous sommes enfermés, nous sommes dans la terreur, nous sommes terrorisés. Oui, bien-aimé, cette époque est terminée, cette époque est close, bien-aimé, tu vas prier ton Dieu, tu vas demander à ton Dieu, Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, nous crions à toi, j'écris à toi, j'écris à toi, délivre-moi de mon angoisse, délivre-moi de la pauvreté, délivre-moi de la haine, délivre-moi de la jalousie, délivre-moi, papa, de l'impolitesse, délivre-moi de la stérilité, délivre-moi de tout esprit satanique, délivre-moi de tout ce qui ne confesse pas ton Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu, bénémoine. Demande à ton Dieu qui te délivre de tout blocage, qui te délivre de toute bien-aimée limitation, qui te délivre de tout esprit satanique, qui te délivre de tout péché, qui te délivre de toute prison. Ça, bien-aimé, Paul et Silas ont été délivrés de la prison. Joseph a été délivré de la prison. Au nom de Jésus, le peuple d'Israël a été délivré de la prison. Bien-aimé, sois délivré, sois délivré, sois délivré, sois délivré. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons être délivrés, nous voulons être délivrés, nous voulons être délivré dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, ce soir, ce matin, bien-aimé, soyons délivrés. Ce matin, soyons délivrés. Ce matin, soyons délivrés. Nos familles soient délivrées. Que nos familles soient délivrées. Notre ministère est délivré dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans leur détresse, ils crièrent l'Éternel et les délivra de leur angoisse. Bien-aimé, crie, crie, crie ce matin. Crie, 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 bien-aimé, en plein matin, crie à ton Dieu, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tu cries à ton Dieu, afin que tu sois libre, afin que tu sois libre, afin que tu sois libre, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, toujours dans les psaumes 107, verset 14, nous descendons. La parole de Dieu dit: il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit les liens. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit les liens. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, tu vas demander à ton Dieu, Père éternel, fais-moi sortir de toutes ces ténèbres, fais-moi sortir de cette maladie, fais-moi sortir de cette situation, fais-moi sortir de cette pauvreté, fais-moi sortir de cette haine, fais-moi sortir de cette jalousie, fais-moi sortir de cet esprit de divorce qui m'énonce mon mariage. Fais-moi sortir, papa, au nom de Jésus-Christ, de cette mélancolie. Fais sortir mes enfants, au nom de Jésus-Christ, de cette boule de manque d'intelligence, de cet esprit de rébellion, de cet esprit d'impolitesse, de ces mauvaises notes qui veulent déranger le parcours scolaire. Demande à ton Dieu que tu sors. Demande à ton Dieu de sortir, bien-aimé, de ces ténèbres, au nom de Jésus-Christ, et de l'ombre de la mort,
l'ombre de la maladie, de l'ombre de la pauvreté, que tu sors, que tu sors, que tu sors, que tu sors dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Dis à ton Dieu, Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, délivre-moi, Seigneur. Délivre ma maison. Délivre ma famille, papa. Fais-nous sortir, papa. Fais-nous sortir de la haine. Fais-nous sortir de la pauvreté. Fais-nous sortir de la pauvreté. Fais-nous sortir de la jalousie. Fais-nous sortir de la haine dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors, bien-aimé. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est sous ce matin, bien-aimé. Tu sors ce matin, tu sors ce matin, tu sors dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Ta famille sort, ta maison sort dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de sortir. La montagne de la prière sort. La montagne de la prière sort dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'allons pas rester, bien-aimés, dans les ténèbres en 2024. Non. Nous rentrons, bien-aimés, dans le monde de la lumière. Nous rentrons, bien-aimés, dans la saison de la lumière. Nous rentrons dans la saison de la gloire. Ce n'est plus la saison de la nuit. Ce n'est plus la saison des ténèbres, mais c'est la saison de la lumière. C'est la saison du soleil. C'est la saison du bon temps et plus du mauvais temps. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dis-le à ton Dieu. Dis-le à ton Dieu de te faire sortir ce matin dans les noms de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, toujours dans les mêmes versets. La parole de Dieu dit, je vais le relire. La parole de Dieu dit, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leur lien. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas demander que tous les liens de la famille, tous les liens sataniques, tous les liens diaboliques, tous les liens de la maladie, donc tous les liens sataniques, maléfiques, diaboliques, qu'ils soient rompus dans ta vie, qu'ils soient rompus dans ta famille, qu'ils soient rompus dans ton foyer, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tout soit rompu, bien-aimé. Si ces liens portent le nom de la stérilité, c'est rompu dans les noms de Jésus. Si ces liens portent le nom, bien-aimé, de l'impolitesse, c'est rompu. Lien de divorce, c'est rompu. Lien de la haine, c'est rompu. Lien de la jalousie, c'est rompu. Lien de la sorcellerie, c'est rompu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors élève ta voix et commence à prier ton Dieu, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Dis à ton Dieu, Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande, Seigneur, je te demande, Seigneur, papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, rompe, papa, que tu puisses rompre tous les liens diaboliques, tous les liens sataniques, tous les liens maléfiques, que tu puisses les rompre, les rompre, les rompre, les rompre, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que tous les liens sataniques soient rompus, tous les liens sataniques soient rompus, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tous les liens de la haine, tous les liens de la sorcellerie s'est rompu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, tous les liens, bien-aimé, de la famille, bien-aimé, qui t'est réclamé, bien-aimé, s'est rompu, s'est rompu, s'est rompu, s'est rompu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu rentres dans la saison de la gloire, tu entres dans la saison du bon temps, tu rentres dans la saison de la lumière, dans la saison de l'élévation, dans la saison, bien-aimé, de la richesse, dans la saison de la gloire. Bien-aimé, les seuls liens qui vont te suivre, c'est les liens de la gloire, les liens de la santé, les liens de la richesse, les liens de la victoire, les liens de la prospérité, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est les liens de la victoire, c'est les liens de l'élévation, c'est les liens de la grandeur, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié notre Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, toujours dans les psaumes 107, mais cette fois-ci au verset 20, bien-aimé, la parole de Dieu dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, tu vas
vas demander à ton Dieu, Seigneur, envoie ta parole chez moi, envoie ta parole dans ma vie, envoie ta parole dans mon mariage, envoie ta parole dans les études de mes enfants, envoie ta parole dans la vie de mes enfants, envoie ta parole dans ma famille, envoie ta parole dans mon travail, envoie ta parole, papa, dans mes finances, envoie ta parole dans mes pensées, dans mon intelligence, enfant bien-aimé, que l'Éternel te puisse te faire échapper de la fausse, bien-aimé, cette fausse appelée maladie, cette fausse appelée blocage, appelée limitation, appelée bien-aimé obstacle, que l'Éternel te fasse sortir, que l'Éternel te libère, que l'Éternel te libère dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu, commence à prier ton Dieu, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton Dieu, Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les liens, que tous les liens sataniques soient annihilés sans effet au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père éternel, que ta parole soit envoyée chez moi, que ta parole soit envoyée dans ma maison, que ta parole soit envoyée dans ma famille, que ta parole soit envoyée dans mon travail, dans mes études, papa, que ta parole soit envoyée à la montagne de la prière, que ta parole soit envoyée, papa, dans le mariage de mes parents, que ta parole soit envoyée dans les études de mes frères, de ma sœur et moi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, papa, sortir, nous voulons nous échapper de cette fosse, papa, dans laquelle nous sommes tombés, dans le nom de Jésus. Nous voulons, papa, sortir de cette fosse de la même manière que Daniel est sorti de la fosse de lion, papa. Nous voulons, nous aussi, les montagnards sortir. Nous voulons aussi, les montagnards sortir dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors, bien-aimé, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, guéris-nous. Père, touche-nous. Père, bénis-nous. Père, saisis-nous. Père, élève-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, tu as fait échapper Paul et Silas de la prison. Tu as fait sortir Joseph de la prison. Père, fais-nous sortir. Tu as fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, papa. Fais-nous sortir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi, papa, nous l'avons déclaré. Ainsi, papa, nous l'avons, papa, prophétisé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Nous sommes à la fin, la famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, aujourd'hui, nous sommes les 28 décembre. Il ne nous reste plus que 3 jours. 3 jours. Rendez-vous dans 3 jours à partir des 22h le 31 décembre 2023. À partir des 22h pour notre grande veillée, la nuit de traversée, la nuit d'exode, la nuit de changement, la nuit de fortification, bien-aimé. Tout cela, bien-aimé, pour passer un merveilleux moment dans la présence de notre Dieu et rentrer puissamment en 2024. Alors la famille, ne ratez pas, bien-aimé, le 31 décembre 2023, à partir des 22h, nous allons prier pendant 3 heures du temps, nous allons adorer, nous allons célébrer, nous allons bien aimer, adorer notre Dieu comme jamais, prier notre Dieu comme jamais, et à la fin, par la grâce de notre Dieu, nous aurons un gala, bien aimé, par la grâce de notre Dieu. N'oubliez pas notre code dress, venez bien habillé, chic, élégant, par la grâce de notre Dieu tout puissant. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment, la famille, rendez-vous à 18h ce soir sur votre page Facebook Samuel Panzu Ministry, et à partir des 22h ici sur votre chaîne Samuel Panzu TV. Alors nous allons prier pour clôturer. Père éternel, merci parce que tu es Dieu. Merci de continuer à bénir ton peuple. Merci de continuer à bénir, papa, chacun de tes enfants, papa. Bénis, Seigneur, encore cette journée. Merci, Seigneur. Il ne reste plus que 3 jours avant de clôturer cette puissante année 2023 pour rentrer dans une autre puissante année, l'année 2024. Père éternel, écoute nos voix, papa. Nous croyons que tu as exaucé toutes nos prières du début jusqu'à la fin. À toi tout simplement toute la gloire et toute l'honneur. Bénis tous tes enfants qui vont aller au travail, papa, qui vont aller déjà maintenant, Seigneur. Garde-les, préserve-les, papa, entre tes sentiments, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié, notre Dieu. Amen.
Soyez bénis, la famille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Corona, que l'Éternel reste avec nous, avec Jésus. C'est toujours possible, bien-aimés, dans les noms de Jésus-Christ. Bien-aimés, restez connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre fille, votre sœur, Mofette Panzou. Bonne journée à tous sur la protection du Christ. Soyez bénis, la famille. Shalom à vous.